bon, les gars, aujourd'hui il fait très beau. Alors aujourd'hui il fait très très beau. Donc là on est au port de Gili Taravagan. Et là on va à Gili Meno. Donc les amis, je peux pas vous filmer là le nombre de personnes qui embarquent pour aller soit à Bali, soit à Gili Air. Parce qu'en fait les gens, oh c'est trop beau. Vas-y, je me tais. Purée, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu les derniers jours là, il faisait pas si beau que ça. Regardez, on voit même les poissons là. Je sais pas si vous voyez. On voyait pas parce qu'il faisait beau, il faisait pas beau temps. C'est blindé, je peux pas vous montrer parce qu'il y a trop de cax. Je pense que vous avez compris. Ah mais c'est trop. Il y a trop de gens, il y a trop de people là qui vont à Gili Air. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire le même itinéraire que moi et dans les bateaux il y aura personne. Je vous laisse sur cette magnifique vue, on va embarquer là. Les gars, il n'y a personne. Colonel et moi, on va être les seuls sur le bateau. Ah, yes! Toujours en grand angle les gars, très tchatcheur le petit lit, une vie de télé qui sert à rien, boum, toujours les petites fleurs sur le lit en guise de respect, parce que ici on te respecte, le petit safety box, deux bouteilles d'eau par jour, lavabo, toilette, bidet, towels, et voilà, petite douche sympathique, et pour la modique somme de 30 euros la nuit les gars, c'est très très propre hein. C'est très propre, je kiffe. Et bref, ça me fait penser à Koh Boda, une île qu'on va faire bientôt, je crois. Qu'est-ce que c'est beau, les gars! Mais là-bas, on va faire du snorkeling avec un bateau. C'est pas aujourd'hui, normalement, demain. J'entends là demain. En tout cas, je vous laisse admirer ça. C'est incroyable, t'es partout, toi. T'es toujours là. Petit filou. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors là, les routes, elles sont beaucoup plus praticables que à Gili Taravagan. Okay. Alors moi, mon coup de cœur pour l'instant, c'est Gili Air, la première. Gili Taravagan, très mauvaise expérience les gars. Petit resto là. Salam alaikum. Petit resto là. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Bon, il est en travaux mais bon. Quand je veux quelque chose, je l'ai les gars. Minute. Oh, il y a un troisième là-bas. Oh, le sang, on a ramené le troisième. Tellement cassé. Regarde. Les gars, ça c'est un purée de coco. Blé. Avec nos potes. Bon,
Rien à foutre, mec, le gars. Salam alaikum. Le gars, il... J'aime liberté, les gars, liberté, liberta. Je kiffe. Mais il fait froid, tu te chauffes au bois. Il y en a en France, ça. Un petit lac, les gars. Un lac au sein du Nil. Si tu veux faire ton petit sport, ta petite marche, je pense que le tour doit faire peut-être 3 km, on va dire, ouais. Tu fais deux tours en courant, t'as fait 6 km, t'es bien. Tu viens, tu te poses avec madame, ta petite dulcinée, t'observes, tu respires. Bon, les gars, là on pédale depuis peut-être une demi-heure. On fait la moitié de l'île. On s'est posé dans un petit café en bord de plage. Il n'y avait personne, du coup, on s'est un petit peu piqué. Donc on s'est dit, on va se poser là. C'est des coraux. Les gars, l'île en face c'est Lombok. Donc hier on était. Enfin avant du coup on était là. Ok. Et 6 jours avant, on était de l'autre côté. Ok. Donc là c'est l'île qui est au milieu. Elle fait trop rire. Bon, les gars, on s'est baladé à haut. On a trouvé un café de tchatcher. Très tchatcher, les gars, ça coche. Nike, tu connais. On va commander, je vais mettre ma carte. C'est en bord de mer. Et il n'y a personne encore une fois. Bike. Il n'y a vraiment personne, les gars. C'est vite, vite, vite. Les gars, faut m'expliquer pourquoi ils ont tous les queues coupées. Pourquoi, les gars? Psst, psst. Je sais pas ce que c'est, moi je me casse. C'est bon. On va sauter. Il est là-bas. Merci colonel. Oh putain. Dégage. C'est bon, laisse. Mais on rentre vite. La nature, les gars, une petite fourmi qui a récupéré de la nourriture et qui s'en va, il cherche une issue. Trop puissant, putain, cet objectif de choc.
Oh, coloré. Pancake banane, les gars. Cup of tea. Honey. Industriel, je suppose. Ça, c'est de l'eau avec de l'ananas. Non. De watermelon. Ananas, watermelon. Ananas, watermelon. Donc, ananas, pastèque, citron, miel. Eggs. Bio. 30 euros la nuit, les gars. Je répète, 30 euros la nuit. Et après, on va prendre ce. Les gars, on est au premier point, c'est Coral Garden. On va prendre la GoPro là et on va. Sweet and sour chicken, guys. Hop. Et c'est pas pané, hein. C'est cuit comme ça. Curry. Fish curry. Rice. Vas-y, fais, vas-y, mélange. Mijote pour les gars. Mijote pour les abonnés. Mijote. Et une big bottle of water. Let's go. Pour les mignons comme ça. Dommage, il ne regarde pas. Vas-y, on y va. Piu, 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 piu. Hello. Hello. Salam alaikum. Non, ça, j'avais le pistolet. Bon, les gars, ce soir, on a décidé de commander au restaurant. Donc, Ice Lemon Tea, tu connais. Ça, c'est un truc à la menthe, au gingembre et au miel. Ice Lemon Tea, tu connais. Spring Roll au poulet. Je vais vous mettre les prix après, les gars, vous inquiétez pas. Mais c'est très, très, très abordable. Oh, les gars. Les gars, je vais zoomer là. Regardez-moi cette texture, cette fleur. Regardez-moi ça. Et ça, c'est Colonel, il l'a pris. Colonel, il est en train de se faire piquer par les moustiques. Oh là 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 là. Bon, ciao. Si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à partager, à vous abonner, m'ajouter sur Snapchat. Et si le contenu vous a plu, je pense que le prochain contenu à l'Ambog va encore plus vous plaire. Rendez-vous dans le prochain épisode.